Bien, bonsoir à tous. J'espère que vous me pardonnerez de vous faire venir travailler pendant les vacances scolaires, alors que tous les autres étudiants sont en train de se distraire, se reposer, réfléchir à leurs enseignements. La thématique du jour, c'est l'alimentation. Et bien évidemment, l'alimentation tient un rôle central dans les questions de gestion de l'énergie. Et depuis déjà plusieurs cours, nous avons commencé à explorer ces problématiques. J'avoue que en préparant cette conférence aujourd'hui, je me suis rendu compte que en fait, c'est à la fois facile parce qu'il y a énormément de choses à dire à propos de l'alimentation, et puis difficile aussi parce que en réalité, on pourrait consacrer un cycle de cours entier à l'évolution de l'alimentation chez les hominines, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et ça touche à d'autres questions, en particulier la question de la prédation, qui est aussi un thème qui, je pense, mérite un cycle de cours, et peut-être que je m'y consacrerai dans les années qui viennent. Donc, juste pour vous remettre en tête les questions qui nous intéressent. Vous avez bien compris lors de notre dernière rencontre que la question du cerveau, de la consommation d'énergie par le cerveau, était au centre des problèmes, si je peux dire, de l'adaptation des hominines. Et singulièrement, ces problèmes d'énergie apportée au cerveau sont devenues critiques au cours des dernières centaines de milliers d'années, mais c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Et vous avez aussi compris que, dans le fond, pour y arriver, enfin pour arriver à fournir au cerveau en croissance et ensuite au cerveau adulte l'énergie nécessaire, eh bien en fait, diverses voies adaptative avait été suivie en jouant sur tout un clavier, si je peux dire, d'adaptation. Il y a quelque chose qui est, dans le fond, central dans tout ça, c'est la façon dont l'énergie est allouée à différentes fonctions ou à différents organes. Donc, une voie qui a été suivie par les hominines, ça a été, dans le fond, de réduire la consommation énergétique de certains organes pour réinvestir cette énergie dans le cerveau. Et puis aussi, on l'a vu, la question est encore plus complexe parce qu'il ne s'agit pas seulement d'organes, les muscles, le côlon, d'autres parties de l'organisme. Il s'agit aussi de fonctions, hein, de fonctions à remplir, et en particulier la croissance et la reproduction. Et en fait, les hommes, enfin les hominines, avant les hommes actuels, se sont, dans le fond, tirés d'affaire en allongeant la durée de la croissance et aussi en retardant, après la naissance, un certain nombre de développements qui se produisent avant la naissance chez d'autres mammifères. Hein. Et donc, c'est un petit peu comme emprunter de l'argent pour acheter une maison ou un appartement, si on emprunte sur 20 ans ou 30 ans, ben, on peut se permettre d'acheter une plus grande maison, un plus grand appartement. Évidemment, il faut payer très longtemps, mais c'est un petit peu ça la voie qui a été suivie par les hominines. Il y a un poste, si je peux dire, sur lequel une économie a été faite aussi, c'est la locomotion, et ça sera l'objet d'un cours prochain. On va parler particulièrement du coût de la locomotion et de ce qui est particulier dans la locomotion humaine. Mais évidemment, il y a une autre voie qui est extrêmement importante, qui n'est pas de gérer l'énergie, mais d'en obtenir plus. Hein. Et vous vous souvenez du paradoxe de pourquoi ceux qui ont une grosse voiture ont aussi une grande maison. Hein. Et donc, les hommes ont essayé d'avoir la grande maison, la grosse voiture, et pour ça, il leur a fallu extraire de l'énergie en grande quantité de l'environnement avec, d'abord, une
un accroissement de la qualité de la nourriture, et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. En gros, plus de calories totales, mais aussi plus de calories par volume de nourriture. Et puis ensuite, vous avez vu aussi que les hommes ont des trucs, si je peux dire, pour, dans le fond, assurer la sécurité de cet approvisionnement en aliments, en énergie, en particulier ce qu'on appelle la reproduction coopérative, c'est-à-dire le fait que les enfants ne sont pas élevés juste par leur mère, mais en fait par une collectivité d'adultes, et c'est ça qui leur permet justement de grandir pendant très très longtemps et d'avoir un retard de développement, si je peux dire, en particulier du cerveau, en étant très dépendant des adultes, mais en même temps en ayant la chance, si je peux dire, d'avoir une très très longue période de remodelage du cerveau en interaction avec l'environnement. Et puis une autre petite astuce, si je peux dire, des hominines, ça a été de sécuriser cet apport en nourriture riche en en stockant une grande partie sous forme de graisse. Donc nous avons des bébés qui sont gras, beaucoup plus gras que les autres bébés des autres primates, et puis nous-mêmes, malheureusement, enfin je dis malheureusement aujourd'hui, mais autrefois c'était très important d'avoir cette réserve de calories. Donc aujourd'hui on va regarder cette question de la nourriture et de la qualité de la nourriture chez les hominines. Alors évidemment, la première question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on reconstitue le régime alimentaire de créatures qui vivaient il y a 1 million d'années, 2 millions d'années ou plus. Et la première voie qui a été suivie pour reconstituer les régimes alimentaires, c'est la voie de l'anatomie comparée. C'est quelque chose qui remonte à Cuvier, qui remonte au début de la paléontologie des vertébrés, et qui a été très très largement utilisé pour essayer de comprendre comment, dans le fond, le système masticateur se modifiait pour s'adapter à tel ou tel type de nourriture. On sait que la morphologie dentaire, ici par exemple sur ce paranthrope d'Olduvai, le ratio entre les dents, les molaires et prémolaires, et puis les dents antérieures, c'est quelque chose qui est lié à la dureté de la nourriture qui est consommée. On peut aller plus loin et regarder les microstructures qui se trouvent dans l'émail de ces dents, alors non pas cette fois-ci pour mesurer le temps de développement, mais plutôt pour voir comment ces structures dentaires, la façon par exemple dont les prismes d'émail sont disposés les uns par rapport aux autres, créer des résistances mécaniques particulières. Donc tout ça a été extrêmement étudié. Il y a quand même des limitations à cette approche-là. Et ces limitations viennent du fait que, dans nos caractères anatomiques, évidemment, on peut trouver des explications fonctionnelles à tout un tas de choses, mais il y a aussi des caractères anatomiques qui continuent à être portés par un groupe particulier et qui, parfois, sont simplement hérités d'un ancêtre, alors que, sur le plan fonctionnel, ils sont plus très importants. Donc, il n'y a pas toujours une adéquation directe entre la morphologie et la fonction. Et puis il y a aussi, en particulier à propos de l'alimentation, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que l'alimentation, c'est quelque chose qui change au cours de l'année. Alors je parle évidemment surtout d'hommes qui sont des chasseurs-collecteurs, hein, ou même des formes d'hominines plus anciennes qui sont beaucoup plus dépendante du monde végétal, mais vous comprenez bien que en Afrique, il y a 2 millions d'années, il y avait déjà des périodes, des saisons sèches, des saisons humides, que la nourriture qui était disponible n'était pas toujours la même.
Et en termes d'adaptation et en termes de comment la sélection s'applique à la morphologie, il faut bien comprendre que si pendant un mois de l'année, il y a seulement une nourriture très coriace qui va être disponible, eh bien, ceux qui ne sont pas équipés pour exploiter cette nourriture coriace ne survivront pas à ce mois-là. Et donc, même si ça dure seulement un mois, eh bien, on peut avoir de façon permanente des caractères morphologiques qui correspondent à cette adaptation, à ce type de nourriture particulier pour cette période de l'année. Et on aura cette morphologie le restant de l'année, même quand cette morphologie n'est pas nécessaire. Et donc, ça, c'est vrai pour la morphologie, c'est vrai aussi pour d'autres aspects adaptatifs. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. On peut aller plus loin avec les dents. On peut faire énormément de choses avec les dents. On peut regarder leur morphologie, on va parler de leur usure. Vous allez voir, on va regarder aussi leur composition chimique. Les dents, c'est formidable parce que ça se conserve. C'est tout ce qui reste de nous, hein, au bout d'un bon moment, sont des dents. Hein. Et tant mieux pour les paléontologues. Donc les paléontologues ont beaucoup les dents. Et en plus de ça, les dents sont porteurs d'énormément d'informations, à la fois parce qu'elles sont, leur morphologie est très conditionnée par le génome, et puis parce qu'elles ne sont pas remodelées au cours de la vie. Alors, on étudie les facettes d'usure des dents, et déjà, la topographie de ces facettes d'usure donne des indications, en particulier sur les mouvements masticatoires, et les mouvements masticatoires ne sont pas les mêmes en fonction de la nourriture que l'on consomme. Et puis, on peut, sur ces facettes d'usure, aller regarder des micro-traces qui correspondent eh bien, à cette abrasion de l'émail dentaire. Alors, cette abrasion, elle est liée aux aliments eux-mêmes qui peuvent contenir des particules abrasives, en particulier les végétaux contiennent ce qu'on appelle des phytolithes, qui sont des petits éléments minéraux siliceux qui se trouvent dans les tissus végétaux et qui rayent l'émail dentaire. Et puis surtout, l'alimentation, elle est rarement complètement propre. Hein, et donc, il y a des particules abrasives qui sont mélangées avec l'alimentation et qui créent ces usures. Ce qui fait que, dans le fond, ce que l'on observe en termes d'allure de cette abrasion, c'est lié aux aliments, mais c'est lié beaucoup aussi à l'environnement. C'est-à-dire que si on a affaire à un environnement qui est un environnement aride, un environnement où il y a beaucoup de poussière, par exemple, eh bien, il va y avoir un type d'abrasion particulier des dents. Ce qui se passe avec l'abrasion, c'est que c'est quelque chose qui va assez vite. Hein. Et surtout si on s'intéresse à une échelle vraiment microscopique. Autrement dit, quand on étudie l'abrasion sous forme de ces microstries, qu'on regarde si elles sont plutôt orientées toutes de la même façon, ou si on a des petits cratères comme ça qui se produisent, ou si on a des usures qui se produisent un peu dans toutes les directions, on peut... Par comparaison, en prenant des populations humaines dont on connaît le régime alimentaire et dont on connaît l'environnement, eh bien on peut faire des études statistiques sur tous ces paramètres. Maintenant, il y a des logiciels qui font ça très très bien, qui sont capables d'analyser la topographie tridimensionnelle des dents et puis de sortir des chiffres qui expriment tous ces caractères. Et donc, on compare ça à des populations dont on connaît les conditions de vie. Mais comme c'est quelque chose qui va assez vite, il faut aussi comprendre que ce que l'on observe, c'est un signal qui correspond, dans le fond, aux dernières semaines, voire aux derniers jours de la vie d'un individu. Et donc, là encore, si vous vous placez dans des circonstances où il y a une variation saisonnière très importante, eh bien, on peut avoir des individus qui montrent en apparence des régimes alimentaires
très différents, mais qui sont trouvés ensemble, simplement parce qu'ils ne sont pas morts à la même période de l'année. Donc on a ça à garder en tête. Donc on a tout ce corpus d'informations qui vient de la morphologie dentaire, des facettes d'usure et des stries. Alors ensuite, il y a un autre, traditionnellement, il y a une autre grande source d'information qui est évidemment ce que l'on trouve comme reste dans les gisements archéologiques. Et c'est une photo que j'avais montrée, je crois, la première année de mon cours. Je vous la montre à nouveau. C'est une fouille que nous avons conduite il y a quelques années dans le sud-ouest de la France, et qui est un site qui existe toujours, qui est un site moustérien, donc laissé par les hommes de Néandertal, il y a 60 000 ans, et qui est une accumulation énorme d'os de rennes qui sont par milliers, par centaines de milliers même, empilés les uns sur les autres. Alors évidemment, ces restes archéologiques, on peut analyser l'âge des animaux, la façon dont ils ont été découpés, transportés, etc. On ne va pas rentrer dans ces sujets-là aujourd'hui. Encore une fois, c'est plutôt quelque chose à traiter avec la prédation en général. Simplement, il y a des biais là aussi qui sont à prendre en considération. C'est plus facile de transporter un renne qu'un mammouth. Hein. Donc, dans un site comme ça, on va trouver beaucoup de rennes, on ne va pas trouver des squelettes de mammouth. Hein. Alors, il y a des sites paléolithiques où on trouve beaucoup de restes de mammouths que les hommes ont transportés, mais enfin, je veux dire, ce n'est pas le plus courant. Hein. Donc, il y a ce biais-là. Et puis, surtout, il y a un autre biais qui est quelque chose qui va être reparlé un peu plus tard aujourd'hui. C'est la question de l'alimentation qui n'est pas d'origine animale, parce que les restes animaux, comme ce renne, eh bien, ça se conserve assez bien, c'est facile à identifier, on trouve beaucoup d'os, mais en particulier tout ce qui vient du monde végétal, normalement, on ne le trouve pas, enfin, sauf conditions absolument extraordinaires. En tout cas, dans les gisements moustériens comme celui-là, on n'en trouve pas. Et donc, il y a là une source de, si je peux dire, d'exagération de la part carnée de la nourriture, enfin du régime alimentaire. Et vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs sources d'exagération, si je peux dire, de cette part carnée. Il y a une autre source d'exagération qui vient des études qui sont menées depuis quelques années sur les isotopes stables du carbone et de l'azote. Qu'est-ce que c'est que ce type d'analyse ? Eh bien, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Le principe n'est pas très compliqué. Le mettre en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Des éléments comme le carbone et l'azote qui existent donc dans la nature et qui participent à la constitution de molécules organiques, comme par exemple le collagène, qu'on peut extraire des os de rennes que je viens de vous montrer, ou des os humains, eh bien, ces éléments sont définis par un certain nombre de protons et d'électrons. Et donc, il y a un nombre atomique qui définit le carbone, l'azote. Cela étant dit, il y a aussi dans les noyaux de ces atomes, il y a aussi des neutrons, et il peut y avoir des neutrons en plus, en moins, et donc on a des variétés qu'on appelle des isotopes d'un même élément comme le carbone qui peuvent être plus lourds que le carbone normal. Alors il y en a très très peu autour de nous, mais il y en a quand même, pareil pour l'azote, donc il y a un azote 14, un azote 15, un carbone 12, mais aussi un carbone 13, un carbone 14, et on étudie tous ces isotopes parce qu'ils nous informent sur des processus qui sont des processus physiologiques, et en particulier les processus de digestion et de fixation des molécules dans les tissus vivants. Alors on étudie aussi d'autres isotopes,
pas rentrer dans ce détail aujourd'hui, mais on étudie l'oxygène, le soufre, le fer, le strontium. Je vous parlais un peu du zinc tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que, en fait, comme ces isotopes ont des masses différentes, eh bien, les molécules qui comportent, par hasard, du carbone 13 au lieu d'avoir du carbone 12, ou qui ont un atome de carbone 13, eh bien, elles vont avoir une masse qui va être légèrement supérieure à la molécule normale, à la molécule standard. Et donc, dans les processus physiologiques, elle va avoir tendance à se comporter de façon un peu différente, à être plus lente, si vous voulez, parce qu'elle est plus massive. Et en particulier, c'est le cas pour la fixation du carbone dans les plantes. Donc, les plantes absorbent du gaz carbonique, et ce gaz carbonique, eh bien, elle fabrique des tissus vivants avec, et elle rejette de l'oxygène. On a défini deux grands groupes de plantes qu'on appelle les plantes en C3 et les plantes en C4. Alors, vous avez ici une liste de ces plantes en C3 et en C4. Disons que les plantes en C3, c'est à peu près n'importe quoi. Enfin, les algues, les fougères, les conifères, les arbres à fleurs, enfin, les herbes, presque tout ce qui vous entoure. Et puis, il y a des plantes qu'on appelle les plantes en C4. Et ces plantes en C4, elles ont tendance à être un peu enrichies en carbone plus lourd, en carbone 13. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un circuit un peu plus long de fixation du carbone dans la plante. Et ce sont essentiellement des plantes d'origine tropicale, des herbes tropicales. Et puis, il y a quelque chose autour de nous qui est une plante en C4 très très importante, c'est le maïs. Et donc le maïs, c'est une plante qui a été importée par les hommes dans les latitudes moyennes. Et donc on arrive par exemple à détecter très très bien la consommation de maïs par des populations préhistoriques récentes, hein, quand l'agriculture se développe en utilisant ce taux de carbone 13 dans le collagène des tissus, des restes humains. Donc on a des plantes qui sont... Peut-être vous... Il est parti le monsieur, parce que j'ai un pointeur qui ne pointe plus. On a des plantes en C3... des plantes en C3 et des plantes en C4 qui au départ donc ont une quantité de carbone 13 différente, et ces plantes elles vont être consommées par des herbivores qui vont être eux-mêmes consommés par des carnivores, et à chaque étape il va y avoir un changement de cette proportion de carbone 13 par rapport au carbone normal, au carbone 12. Et donc on peut déjà, en dosant ces isotopes du carbone, on peut reconnaître des chaînes trophiques, hein, des chaînes d'êtres qui se nourrissent les uns des autres, qui s'enracinent soit dans des biotopes où il y a surtout des plantes en C3 ou surtout des plantes en C4. Alors, si on s'intéresse à cette question du niveau trophique, il y a une autre source d'information très importante du point de vue isotopique, c'est l'azote. Je vous ai dit que les deux atomes qui étaient les plus utilisés pour reconstituer le régime alimentaire, c'est le carbone et l'azote. Et donc l'azote, il va varier en fonction du niveau trophique de façon assez forte. Alors, suivant qu'on parte de plantes en C3 ou de plantes en C4, les valeurs... Les taux isotopiques de l'azote 15 vont être différents le long de ces chaînes trophiques, mais disons que plus on s'élève dans la chaîne trophique, plus on va avoir des valeurs élevées, quantité de cet azote 15. Alors quand on combine le carbone et l'azote, eh bien, on peut construire des diagrammes comme celui-là, où on peut positionner des espèces animales en fonction des valeurs isotopiques qu'elles présentent.
Évidemment, quand on a affaire à des fossiles, il est très important de tenir compte de la taphonomie, de l'environnement de ces fossiles. Et donc, en général, on n'utilise pas des valeurs absolues de ces taux isotopiques. Ce que l'on fait, on essaie de pour un gisement particulier, même pour un niveau archéologique particulier, on construit un spectre d'espèces dont on connaît le régime alimentaire, dont on pense connaître le régime alimentaire, et puis on place là-dedans l'espèce inconnue, en général c'est de l'homme, savoir si cet homme, dans son régime alimentaire, il est plutôt plus près des hyènes ou plus près des chevaux ou des rennes. Donc c'est plutôt comme ça que l'on procède. Alors il y a... tout ça, c'est merveilleux parce que ça permet d'avoir une mesure qui est une mesure quantitative. Et ce que l'on mesure, en fait, quand on place ces espèces sur ce diagramme, c'est, en fait, ce qu'on évalue, c'est la proportion de protéines qui viennent du monde animal. Et donc, en gros, plus on est élevé dans ces valeurs, en particulier d'azote 15, et plus on mange de protéines qui sont d'origine animale. Alors, ça pose un petit problème, c'est que, évidemment, c'est un outil qui est très sensible à la consommation de protéines animales et qui est peu sensible à ce qui est consommé à côté, et en particulier des plantes. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le fait de trouver beaucoup d'os dans les gisements archéologiques, ça nous inclinait peut-être un peu trop à penser que les hommes, c'était juste des chasseurs et qu'ils faisaient tous les jours un barbecue, manger du renne et rien d'autre. Les isotopes du carbone et de l'azote, surtout de l'azote, c'est un petit peu la même chose. Et vous voyez que cette courbe-là, elle vous montre comment varient les valeurs isotopiques de l'azote 15 en fonction de la proportion de viande par rapport aux végétaux que l'on a dans l'alimentation. Et vous voyez que ce n'est pas du tout une courbe qui est linéaire. C'est-à-dire que dès qu'on a dans son alimentation, disons, plus de 20 ou 30% de viande par rapport aux végétaux, on se retrouve assez près, très vite, des valeurs qui sont les valeurs des carnivores purs. Et donc, ça a tendance à exagérer le caractère carné de l'alimentation. Et un autre petit inconvénient à ces études isotopiques fondées sur le carbone et l'azote, c'est que je vous ai dit qu'on les extrayait du collagène. Alors le carbone, on peut l'extraire d'autre chose que le collagène. Le carbone, il est présent dans des tissus minéraux, même quand on a un os fossilisé où il n'y a absolument pas de matière organique, il y a du carbone dedans, parce qu'il y a des carbonates en particulier. Alors que l'azote, là par contre, il n'y en a pas. Donc, l'azote, il n'y en a que dans les matières organiques et on est obligé d'extraire du collagène. Alors, le fait de dépendre du collagène pour mener ce genre d'études, ça biaise aussi un petit peu les résultats. Pourquoi ? Eh bien, parce que le collagène ne se conserve pas éternellement. Donc, c'est surtout, disons, pour les derniers 100 000 ans, 150 000 ans, qu'on peut utiliser ces méthodes-là. Quand on remonte plus loin dans le temps, généralement, on n'a pas de collagène. Et surtout, cette conservation du collagène, elle dépend des conditions de milieu et de la température. Et le collagène se conserve très bien dans des milieux qui sont des milieux tempérés ou froids, et il se conserve beaucoup moins bien quand il s'agit de milieux chauds ou très chauds, tropicaux. Et évidemment, enfin, on va en parler dans un moment quand on parlera de l'alimentation chez les hommes de Néandertal, presque toutes les données qu'on a viennent
de sites qui se trouvent dans les moyennes latitudes, voire dans des latitudes un peu élevées pour les Néandertaliens. Et vous voyez bien que, évidemment, si vous imaginez vivre dans les moyennes latitudes, disons le nord-ouest de l'Europe au Pléistocène, les ressources alimentaires vont peut-être être beaucoup plus orientées vers les sources animales que vers les sources végétales. Mais comme on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe dans les régions plus chaudes, peut-être plus riches en ressources végétales, du coup, là aussi, on a une vision un peu biaisée de la situation. Alors, on fait beaucoup d'efforts en ce moment pour essayer d'obtenir d'autres indicateurs de l'alimentation. Alors, je vous ai parlé du soufre, ça existe depuis un petit moment. On utilise aussi le strontium, et récemment, ça c'est un travail qui se mène dans mon laboratoire, une jeune chercheuse qui s'appelle Clervia Jaouen, qui comme son nom l'indique est bretonne, fait porter ses efforts sur les isotopes du zinc, et elle a montré qu'on pouvait utiliser les isotopes du zinc un petit peu comme on utilise les isotopes de l'azote. Alors, ça marche en sens inverse, c'est-à-dire que là, les valeurs basses, elles sont plutôt du côté des carnivores, et les valeurs faibles, plutôt du côté des herbivores. Il y a des tas de choses qu'on pourrait discuter sur ce diagramme. Ce qui est... alors, vous me direz, si on a le même genre d'information avec le zinc qu'avec l'azote, pourquoi on s'embête avec le zinc ? Eh bien, on s'embête avec le zinc parce que le zinc, ben lui, il n'est pas contenu dans les molécules organiques. Et donc, on le trouve dans les mailles dentaires, on le trouve dans l'os. Et en théorie, il n'y a pas de limite chronologique à l'utilisation de ce rapport isotopique pour reconstituer le régime alimentaire. Donc, on peut remonter beaucoup plus loin dans le temps que, disons, 100 ou 150 000 ans. Et on fonde de gros espoirs sur ces études qui utilisent le zinc. Alors, dernière remarque à propos de ces dosages isotopiques. Je vous ai expliqué que l'usure dentaire, dans le fond, nous donnait une information sur ce qui s'était passé dans les derniers jours, les dernières semaines de la vie de l'individu. Alors, avec ces valeurs isotopiques que l'on extrait donc de l'os ou du collagène, là, on a une mesure de quelque chose qui est beaucoup plus étalé dans le temps. Pourquoi ? Parce que soit on utilise des valeurs obtenues sur des échantillons dentaires, de l'émail dentaire ou de la dentine, et là, ça nous donne une information sur un moment précis du développement. C'est-à-dire, que s'est-il passé au moment où se développaient cette dent-là, par la première molaire, ou la deuxième molaire, ou la troisième molaire. Donc, c'est une espèce de voyage dans le temps, dans l'enfance de l'individu. Hein ? Et on peut obtenir un résultat qui est assez différent, dans le fond, de la réalité de son régime alimentaire au moment où il est mort adulte. Et pour ce qui est de l'os, là, on obtient des valeurs qui, dans le fond, nous donnent une moyenne des régimes alimentaires sur une longue période de temps. Quand je dis une longue période de temps, je parle d'un grand nombre d'années. Hein. Et cela, c'est lié au fait que, en particulier avec l'os, on travaille sur des organes qui sont constamment remodelés au cours de la vie. Donc, une de vos côtes, par exemple, n'est pas la côte que vous aviez il y a 10 ans. C'est une nouvelle côte. Hein. Cette côte, elle a été lentement grignotée, reconstituée, rebâtie. Et donc, c'est une côte qui n'a plus rien à voir avec la côte de départ. Hein. Et donc, si on extrait du zinc ou du carbone ou n'importe quoi de cette côte-là, eh bien, ça va donner une information, alors non pas sur ce que vous avez mangé la semaine dernière ou le mois dernier, mais sur ce que vous avez mangé pendant 8 ans ou 10 ans. Hein, donc, il y a cet aspect-là.
Donc voilà les outils dont on dispose. Alors maintenant, venons-en à la nourriture elle-même. Donc avec tout ça, on essaie de reconstituer le régime alimentaire des hommes fossiles. Je vous ai dit que, dans le fond, ces adaptations particulières aux hommes en termes de gestion de l'énergie et d'extraction de l'énergie de l'environnement étaient liées au coût énergétique du cerveau. Et donc, tout naturellement, on a été tenté de regarder ce qui se passait au cours de l'évolution humaine au moment où notre cerveau, plutôt celui de nos ancêtres, a commencé à augmenter en taille de façon très significative. Et on a une espèce de point de départ qui est autour de 2,5 millions d'années. Et vous voyez qu'à partir de cette époque-là, on a des hominines qui ont des cerveaux en valeur absolue de plus en plus grands. Et puis, surtout, à la fin, cette taille du cerveau, elle augmente indépendamment de la masse corporelle. Alors la question, évidemment, qui se pose, c'est que se passait-il avant et que s'est-il passé au moment où on a cette espèce de décollage. Alors que se passait-il avant? Évidemment, c'est important de savoir d'où l'on part, si je peux dire, et notamment de regarder quel est le régime alimentaire des primates qui sont proches de l'homme, en pensant que peut-être en regardant ce régime alimentaire dans plusieurs espèces, on va avoir une idée du régime alimentaire de l'ancêtre commun aux hominines et à ces grands primates. Et on a fait beaucoup de travaux sur le régime alimentaire des grands singes. Alors, le régime alimentaire des grands singes, il est massivement végétal. Donc, énormément pour les chimpanzés, énormément de fruits, de feuilles, de bourgeons, de choses comme ça. Mais déjà, on a une petite proportion de ce régime alimentaire qui est fourni par des protéines animales. Alors, les protéines animales, ça peut être des insectes, des larves, des choses comme ça, des petits animaux, mais ça peut être aussi des animaux qui ne sont pas si petits que ça. Et on a depuis longtemps décrit des comportements de chasse chez les chimpanzés. Et donc, tout ça pour dire que ce comportement de chasse, ce comportement de prédation, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça de façon brutale chez l'homme, c'est quelque chose qui existe très probablement déjà, et vous allez en voir quelques indices, chez des ancêtres même lointains. Alors voilà le genre de gibier que les chimpanzés du parc de Gombe en Tanzanie capturent et consomment, essentiellement des petits singes, des colobes rouges, et singulièrement des jeunes individus, hein, des juvéniles, des enfants, même des nouveau-nés, mais quand même quelques adultes, et aussi occasionnellement d'autres animaux, des petites antilopes, des petits babouins, enfin tout ce qu'ils, en gros, sont capables d'attraper, ils le mangent. Ce spectre de gibier qu'on trouve dans ces groupes de chimpanzés, c'est quelque chose qui varie d'un groupe à l'autre, et qui varie d'un groupe à l'autre pas seulement en fonction de la disponibilité de ces espèces dans l'environnement. On a parlé à un moment donné de culture chimpanzé, il y aurait beaucoup à dire sur le terme culture, mais disons que les groupes de chimpanzés ont des traditions, hein, et certains ont la tradition de manger ou de chasser plutôt un type de gibier qu'un autre. Un autre aspect particulier, je vous montre ça juste pour vous rappeler à nouveau cette histoire de saisonnalité, ce diagramme en bas à gauche là, vous montre le nombre de captures de ces petits animaux en fonction du mois de l'année. Et vous voyez qu'il y a une variation très très forte entre la saison sèche et la saison humide. Et c'est, alors
probablement d'une part en fonction de ce qui est disponible comme nourriture dans l'environnement, comme autre nourriture dans l'environnement, et puis aussi, peut-être aussi, de la facilité avec laquelle on peut attraper ces animaux en fonction de la saison. Alors, ce qui est important à noter à propos de ces captures de petits animaux par les chimpanzés, c'est que c'est une nourriture qui n'est pas très partagée, si je peux dire, au sein des groupes de chimpanzés. J'ai beaucoup insisté sur le fait que les sociétés humaines étaient des sociétés de partage. Les chasseurs ramènent du gibier non seulement à leur famille, mais surtout au groupe auquel ils appartiennent, et il y a des règles souvent très strictes de redistribution de la viande qui est ramenée au groupe par un chasseur. Alors, ce qui se passe avec les chimpanzés, c'est que quand on regarde les valeurs isotopiques du carbone et de l'azote dans un groupe de chimpanzés, il s'agit ici de chimpanzés de la forêt de Thaï, en Côte d'Ivoire, eh bien, dans le fond, ceux qui ont des valeurs très élevées en azote 15, eh bien, ce sont les chasseurs. Donc, les meilleurs chasseurs sont ceux qui mangent la viande. Hein. Et éventuellement, ils vont en donner. Là, vous voyez une photo d'une femelle qui mendie un peu de viande aux chasseurs qui sont en train de la consommer. Bon, occasionnellement, ils vont en donner un tout petit peu, mais en gros, quand on regarde ces valeurs isotopiques chez des chimpanzés dont on connaît le pédigré, eh bien, on voit que c'est surtout les mâles, et c'est singulièrement les mâles qui sont les meilleurs chasseurs, qui mangent de la viande, et les autres ont un régime beaucoup plus végétarien. Alors, venons-en aux premiers hominines. Je vous ai donné cette date autour de 2,5 millions pour le décollage de la taille du cerveau. Justement, c'est autour de 2,3 millions, 2,5 millions qu'on commence à trouver à la fois des outils de pierre et puis des restes d'animaux qui sont découpés avec des os écrasés, des choses comme ça. Alors, vous allez voir que cette date, en tout cas, on a eu tendance au cours des dernières années à la tirer de plus en plus vers le passé. On a trouvé au Kenya, il n'y a pas très longtemps, des industries lithiques beaucoup plus anciennes, qui ont plus de 3 millions d'années. On ne sait pas très bien à quoi servaient ces outils de pierre. Peut-être qu'ils servaient à quelque chose qui n'a rien à voir avec la consommation de viande animale. Hein. Et puis vous allez voir qu'on a quelques traces de découpe sur des os qui sont aussi au-delà de 3 millions d'années. Quand on regarde les valeurs isotopiques du carbone, il n'y a pas d'azote là, dans ces fossiles très anciens, on se rend compte que au cours des derniers millions d'années, ce à quoi on assiste en Afrique, c'est une évolution vers une consommation de plantes en C4 de plus en plus abondante. Alors, ce qui est un petit peu embêtant quand on regarde juste le carbone, c'est que, encore une fois, c'est surtout un signal environnemental que l'on a. Hein. C'est-à-dire que ces espèces, là, qui s'alignent le long de cette droite à gauche, ici, eh bien, sont des espèces qui sont exposées à des environnements qui sont des environnements de plus en plus arides. Et dans le fond, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est est-ce qu'ils consomment des végétaux directement qui sont des végétaux en C4, c'est-à-dire ces herbacées tropicales, aussi des plantes grasses, des choses comme ça. Où est-ce qu'ils mangent des zèbres ? Parce que les zèbres qui mangent l'herbe vont avoir la même valeur isotopique pour le carbone, pas pour l'azote, mais pour le carbone. Alors, c'est probablement les deux, c'est-à-dire que probablement qu'on a à la fois là des espèces comme les premiers représentants du genre Homo qui sont des consommateurs de viande occasionnelle, peut-être plus que nos chimpanzés ou nos australopithèques qui précèdent, et puis aussi des espèces
en particulier ces paranthropes avec ces mandibules extrêmement robustes qui semblent être des espèces qui se sont spécialisées dans la consommation de plantes en C4. Donc, je vous disais que on a des traces de découpe sur des os qui remontent au-delà de 3 millions d'années. Ils viennent d'un gisement qui s'appelle Dikika en Éthiopie. Alors, sont des, vous savez, en paléanthropologie, d'ailleurs, tout est discuté et tout est contesté à un moment ou à un autre. Donc, ces traces de découpe ont été critiquées, contestées par certains, mais en fait, elles ont été publiées et semble bien qu'on ait affaire à des à l'action d'outils coupants, d'outils en pierre. On ne voit pas très bien ce que ça pourrait être d'autre. Et donc, en fait, ce que nous disent ces traces de Dikika, ce que nous disent aussi peut-être les outils de l'Ouest Turkana, c'est que, dans le fond, on a un comportement qui préexiste déjà chez des grands singes, qui existe très certainement chez l'ancêtre commun des hommes et des chimpanzés, qui est là aussi chez les australopithèques, et qui va, dans le fond, se développer de façon beaucoup plus marquée après 2 millions d'années. Et on a aussi des indications qui sont des indications d'ordre anatomique qui suggèrent que ces australopithèques, donc qui précèdent les hommes, eh bien, dans le fond, ils ont une capacité à manipuler des objets qui est assez similaire à celle que les hommes ont aujourd'hui. On le sait à la fois par l'anatomie osseuse, c'est-à-dire par exemple les proportions des phalanges des doigts, la longueur du pouce par rapport aux autres doigts, qui est quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a chez des chimpanzés. Et puis on peut aussi regarder à l'intérieur des phalanges ou des métacarpiens, on peut regarder la densité osseuse, l'orientation des trabécules dans l'os, et on a déjà chez les australopithèques des caractères qui suggèrent qu'ils ont la capacité d'empoigner des objets de façon ferme, comme le ferait un homme aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on attend, dans le fond, d'une espèce qui est capable d'utiliser des outils en pierre pour couper, casser, etc. Alors que, je vous le rappelle, les chimpanzés ont des mains qui sont quand même essentiellement adaptées à la locomotion, soit pour se suspendre, soit pour se déplacer de façon quadrupède. Alors effectivement, de façon, j'allais dire, presque attendue, à partir de 2 millions d'années, on va voir se développer de plus en plus ces sites où on a des ossements qui sont fracassés, des ossements qui portent des traces de découpe, donc tout ce registre archéologique. Et encore une fois, on a donné beaucoup d'attention à tout ce qui était ressources animales pour ces représentants du genre Homo, en particulier Homo erectus, il y a 2 millions d'années, ou un petit peu moins. On a récemment mis en évidence le fait que ce n'est pas seulement les mammifères qui sont exploités par ces Homo erectus, mais ce sont aussi des ressources aquatiques. Et ces ressources aquatiques, on les avait peut-être un peu négligées. Pourquoi ? Bien parce qu'on n'était pas toujours capable de reconnaître sur les fragments d'os de poissons ou d'autres animaux aquatiques des traces de découpe aussi visibles que celles que l'on trouve sur les os de mammifères. Cette exploitation du monde aquatique, c'est quelque chose qui est... qui est important non seulement sur le plan de l'obtention d'une nourriture riche et riche en calories, mais aussi parce que c'est une alimentation qui peut fournir des aliments qui sont riches, par exemple, en acides gras, qui sont importants pour le développement cérébral et qui sont des éléments qui ne se trouvent pas facilement dans la nourriture des chasseurs-cueilleurs qui exploitent des mammifères, en tout cas tel qu'on l'imagine. Donc cette exploitation du monde
aquatiques, en tout cas des berges, des lacs. C'est quelque chose qui est ancien. On a d'ailleurs en Afrique de l'Est des sites où on trouve énormément de traces de pas d'hommes qui ont longé ces lacs dans tous les sens. On trouve proportionnellement plus de traces d'hommes que d'autres espèces de mammifères le long de ces lacs. Et manifestement, ils étaient à la recherche de ce genre de nourriture. Alors sur le plan, je vous l'ai dit, sur le plan isotopique, on a ce signal du carbone, mais le carbone, le problème, c'est que ça ne nous dit pas trop si c'est l'herbe, si c'est le zèbre, ça nous dit quel genre d'environnement, dans le fond, est exploité. On a essayé de mettre à profit d'autres isotopes. Je vous ai parlé un petit peu du zinc. On a utilisé aussi le strontium et le barium. Et vous voyez, dans cette étude de Balter et collaborateurs de 2012, qu'effectivement, les premiers représentants du genre Homo se distinguent des autres espèces dominines plus anciennes, Australopithèque ou Paranthrope. Alors c'est en fait surtout ce qu'on appelle des représentants du genre Homo, enfin des représentants primitifs du genre Homo, disons après 2 millions d'années plutôt qu'avant 2 millions d'années. Donc il semble bien que c'est plutôt autour de 2 millions d'années qu'il y a ce changement de comportement. Vous notez aussi dans ces graphiques que vous voyez que certaines espèces, par exemple l'Australopithecus africanus, dans le fond, produit des mesures qui montrent un spectre alimentaire très très large. Hein. Et donc probablement qu'on a affaire à des espèces qui sont capables d'exploiter toutes sortes de ressources. Alors, à l'occasion des ressources animales style mammifères, un peu comme les chimpanzés, mais aussi des insectes et puis toute une variété de plantes, ce qui fait qu'on a cette très très grande variabilité. Alors, ces comportements de prédation, ils s'exercent dans un certain territoire, et je vous ai déjà dit que une des grandes différences entre les chasseurs-cueilleurs et nos chimpanzés, même s'ils chassent occasionnellement, c'est que dans le fond, les chimpanzés vivent sur des territoires qui sont des territoires beaucoup plus petits que les territoires qu'exploitent des chasseurs-cueilleurs. Et surtout dans les latitudes moyennes ou élevées, eh bien, à cause de la capacité à produire de l'énergie de ce genre de territoire, eh bien, les groupes de chasseurs-cueilleurs sont obligés d'avoir des territoires très très grands qui peuvent se mesurer en centaines de kilomètres et qu'ils parcourent toute l'année. Et du point de vue énergétique, donc vous l'avez compris, les hominines, avec leur cerveau qui est très très coûteux à faire fonctionner et à faire croître, eh bien, les hominines se sont orientées vers des nourritures riches en calories, en particulier la viande et les matières grasses extraites du gibier. Maintenant, d'un point de vue strictement énergétique, la question qui se pose, c'est évidemment, c'est très intéressant de manger de la viande et de manger de la graisse. Ça produit beaucoup plus de calories que de manger des feuilles. Maintenant, les feuilles, ce qui est agréable avec les feuilles, c'est qu'elles ne se sauvent pas. Donc, on peut les manger sans se donner trop de mal, tandis que les animaux, ça court et ça se défend. Et donc, du point de vue énergétique, ce qui est important, ce n'est pas seulement quel est, dans le fond, l'intérêt énergétique de consommer telle ou telle espèce ou tel morceau de tel ou tel animal, mais de prendre en compte le coût énergétique de l'acquisition de cet animal. Et c'est quelque chose surtout quand on fait de l'archéologie, qu'on ne prend pas toujours en compte, mais les gens qui font de l'écologie humaine s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Et vous voyez ici que c'est une étude de deux auteurs qui s'appellent Lupo et Schmitt, assez récente,
où ils ont compilé des données venant de nombreuses descriptions de chasse d'animaux. Alors c'est surtout sur des espèces africaines. On fait un travail de compilation et un travail d'études statistiques très intéressant. Et ce qu'ils montrent de façon extrêmement claire, c'est que en fonction du poids de l'animal qu'on veut attraper, eh bien, il faut y consacrer plus ou moins de temps. Hein. Et encore une fois, ce sont des diagrammes qui sont des diagrammes avec des échelles logarithmiques. Donc, en gros, on part ici, en bas à gauche, de petits animaux à peine plus gros qu'un rat. Et puis, ici en haut, c'est à droite, c'est l'éléphant et la girafe. Mais vous voyez que la durée de la chasse en minutes n'est pas du tout la même. Hein. C'est-à-dire que pour attraper un petit animal, ça peut prendre quelques minutes. Pour attraper un éléphant, ça peut prendre quelques jours. Hein. Et donc, pendant ces quelques jours, eh bien, il faut courir derrière l'éléphant, il faut manger, donc on dépense de l'énergie, il faut trouver de l'énergie autre part. Et en plus, on n'est pas sûr d'attraper l'éléphant. D'accord ? Et ce que vous avez ici à droite, c'est le taux de réussite de la chasse en fonction de la taille de l'animal. Et vous voyez que, alors ce sont des données qui ont été compilées sur deux siècles de chasse à l'éléphant, à la girafe, etc. Mais disons qu'en gros, si on prend des chasseurs autochtones, soit même des chasseurs européens avec un fusil, disons au 19e siècle, eh bien, la chasse à l'éléphant, l'éléphant a quand même 4 chances sur 5 d'en réchapper. Hein. Et les descriptions qu'on a de chasse à l'éléphant jusqu'à une période récente, hein, avant que les gens utilisent des armes absolument terribles pour chasser, eh bien, nous montrent que souvent, quand on tue un éléphant, eh bien, on trouvait à l'intérieur de l'éléphant des balles, des pointes de lance, des tas de choses, parce que dans le fond, cet éléphant-là avait échappé déjà à pas mal de chasseurs. Et donc, tout ça pour dire qu'il n'est pas évident que ça soit plus intéressant d'attraper un éléphant que d'attraper une petite antilope. S'ajoute un autre problème, c'est qu'une fois qu'on a chassé et tué l'éléphant avec beaucoup d'efforts, en loupant 4 éléphants sur 5, en y passant plusieurs jours, il faut le découper, il faut le dépecer. Et là encore, on a des chiffres qui ont été donnés qui sont assez extraordinaires. On voit des gens qui passent plusieurs jours à découper un éléphant. Toujours pareil, pendant ce temps-là, il faut qu'ils mangent. Et en plus, ça mobilise du monde, comme vous voyez, de découper un éléphant. Et donc, on peut, pour chaque espèce animale, calculer, le rapport entre la quantité de calories qu'on peut extraire d'un animal déterminé, d'une certaine taille, je sais pas, une girafe ou un éléphant, et puis rapporter ça à l'investissement en temps et en énergie pour acquérir cet animal. Et ce que l'on voit quand on fait ce genre de calcul, eh bien, c'est que dans le fond, ce n'est pas très intéressant d'aller poursuivre les éléphants. Et que des animaux qui ont une taille moyenne, un buffle par exemple, eh bien, ce ratio entre l'investissement, enfin plutôt la quantité d'énergie extraite et l'investissement en temps, eh bien, il est 4 à 5 fois supérieur à ce qu'il est avec un animal comme un éléphant ou une girafe. Hein. Et même des petites antilopes donnent aussi des valeurs très très supérieures. Alors vous me direz, dans le fond, alors pourquoi on s'embête à aller chasser des grosses bêtes ? Il est possible qu'il y ait des raisons qui soient des raisons d'ordre plus culturel, social, que strictement économique, et je reviens à cette notion de partage. Les chasseurs qui sont
dans la nature, quand ils attrapent un petit animal, ils le mangent. C'est pour eux, si je peux dire. Les grosses bêtes, c'est des choses qu'ils vont ramener au groupe et qui vont être partagées avec le groupe, souvent, parfois même, avec des règles de partage qui font que la famille du chasseur, quasiment, n'y a pas droit, c'est pour les autres. Et donc, il y a tout un tas de raisons de cet ordre-là qui font qu'occasionnellement, les groupes de chasseurs-cueilleurs vont capturer des très gros animaux. Et ça fait partie de cet ensemble de liens sociaux qui maintiennent la cohésion des groupes. Donc, maintenant qu'on a de la viande, alors l'éléphant, je vais en finir avec l'éléphant, non seulement on a mis beaucoup de temps à le poursuivre, non seulement la plupart du temps il se sauve et on ne l'attrape pas, une fois qu'on a réussi à le tuer, il faut passer 2 jours à le découper, si on a le personnel pour ça. Si on compte en plus le temps qu'il faut pour fumer la viande ou la sécher, si on veut la garder pendant un temps suffisant pour la consommer, vous voyez que tout ça, ça s'ajoute en fait au coût énergétique, si je peux dire, de l'acquisition de ces proies. Alors ensuite, eh bien, cette viande, d'autres formes de nourriture, on peut appliquer ça aussi au monde végétal, elle va être consommée. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que, évidemment, quand on mange, on absorbe de l'énergie, mais on consomme de l'énergie aussi pour absorber la nourriture. Et vous vous souvenez que, quand je vous ai parlé lors de notre première rencontre du métabolisme basal et de la dépense énergétique chez l'homme, on a réservé, si je peux dire, une part du gâteau énergétique pour ce qu'on appelle l'effet thermique de l'alimentation, c'est-à-dire l'énergie que l'on dépense pour mastiquer, avaler, digérer, et c'est une fois qu'on a retiré ça des calories absorbées avec la nourriture qu'on a, si je peux dire, la mesure du bénéfice de cette alimentation. Et donc, là aussi, les hommes ont tâché de réduire au maximum cet effet thermique de l'alimentation parce que c'est aussi un autre moyen à qualité de nourriture égale, eh bien, d'en extraire plus en termes de calories. Et au centre de ce processus de préparation de la nourriture et de baisse de l'effet thermique, eh bien, se trouvent la cuisson et l'utilisation du feu. Et c'est quelque chose qui a toujours beaucoup intéressé les anthropologues, les paléoanthropologues, et plus récemment encore plus, parce qu'on a pu faire beaucoup de mesures, dans le fond, sur l'effet de la cuisson et de la préparation de la nourriture pour, dans le fond, faciliter son ingestion et sa digestibilité par l'organisme. Vous voyez que, surtout pour des végétaux, le fait de cuire est très important. C'est-à-dire que si vous mangez des pommes de terre, alors les pommes de terre, il y a peu de chances que les Homo erectus en aient mangé, mais regardez la deuxième colonne, les bananes vertes, la digestibilité de bananes vertes, suivant qu'elles soient cuites ou crues, varie du simple au double. Hein. Donc, manger une banane banane verte non cuite, ben c'est comme manger la moitié d'une banane verte cuite. Donc on s'est beaucoup intéressé à cette question de la cuisson en se demandant dans le fond quand est-ce qu'on a commencé à cuire les aliments pour pouvoir en profiter au maximum. Alors il y a plusieurs écoles. À chaque fois des gens qui sont un petit peu extrémistes dans une direction ou une autre, mais il y a un groupe de chercheurs, en particulier autour du professeur Wrangham à Harvard, qui, dans le fond, ont lancé l'idée que dès l'Homo erectus, dès il y a à peine moins de 2 millions d'années, eh bien, il devait y avoir une forme de cuisson des aliments, parce que sinon, on a beaucoup de mal à imaginer que
ces Homo erectus aient pu s'offrir, si je peux dire, un cerveau qui était beaucoup plus gros que celui des formes qui ont précédé. Alors, je ne veux pas paraître toujours négatif, mais je vous ai expliqué que d'attraper un éléphant, c'était drôlement bien, mais que ça coûtait quand même beaucoup d'énergie. Bien, faire cuire l'éléphant aussi, ça coûte de l'énergie. C'est-à-dire que, évidemment, c'est très chouette de pouvoir cuire les aliments parce qu'on a un bénéfice énergétique, mais maintenant, il faut aller chercher le bois pour faire le feu. Et en fonction de la présence ou pas de bois ou d'autres combustibles dans l'environnement, on peut se trouver dans une situation où, en fait, ça coûte plus d'aller chercher le combustible que le bénéfice qu'on a à cuire l'aliment. Hein. Et ça explique probablement pourquoi, en fait, pendant très longtemps, on a des sites paléolithiques où il n'y a pas de traces de feu. Hein. Même après, disons, 400 000 ans avant le présent, alors que on pense que 400 000 ans, 500 000 ans, c'est l'époque à laquelle le contrôle du feu et la production de feu est systématique pratiquement dans les populations humaines, avec avant ça une longue période d'habituation et de domestication, mais pas de présence systématique du feu, et bien même dans des périodes beaucoup plus récentes, on trouve encore des sites où il n'y a pas de feu. Le gisement de Jonzac, que je vous ai montré tout à l'heure, avec ses accumulations d'os de rennes qui datent de 60 000 ans, c'est un gisement où pratiquement il n'y a pas de traces de feu. Alors, bon, peut-être que le feu était ailleurs, je ne sais pas, mais il faut aussi se rendre compte que dans un climat qui était un climat froid, avec une végétation très réduite, c'est pas évident de trouver des combustibles pour entretenir du feu. Et d'ailleurs, ces hommes ont souvent utilisé l'os lui-même comme combustible. Alors, bon, cela étant dit, si on a quelqu'un pour aller chercher le bois, le feu, c'est très bien. D'abord, ça rend la nourriture beaucoup plus assimilable, beaucoup plus, je dirais, tendre. Donc, on économise sur la mastication. Et puis, après, il y a d'autres bénéfices secondaires qu'on ne va pas discuter maintenant, mais qui sont des bénéfices en termes de sécurité, la possibilité de dormir au sol et de se protéger des prédateurs, ou même cette possibilité de sevrage pour les enfants. Souvenez que les hommes se caractérisent par ce sevrage très précoce. Bah, si vous voulez sevrer les enfants à 2 ans et demi ou quelque chose comme ça, c'est un peu difficile de leur donner un steak de mammouth à mastiquer sans autre forme de préparation. Hein. Donc la cuisson des matières grasses, la moelle, des choses comme ça, c'est probablement quelque chose qui fait partie des moyens de ce sevrage précoce. Et puis, on sait chez les hommes actuels que si vous vous mettez à manger de la nourriture qui est complètement crue, et uniquement de la nourriture crue, vous allez avoir des problèmes. Alors, vous allez maigrir, c'est formidable, mais il ne faut pas persister trop longtemps dans cette voie-là parce qu'on a des effets physiologiques qui peuvent être assez désastreux. Alors, il se trouve que c'est un des arguments hein, de cette école de Rangam et de ses collaborateurs. Il se trouve que autour de 1,8 million, on voit apparaître ces Homo erectus qui ont justement non seulement un cerveau qui est plus grand que celui des hominines qui vivaient avant, mais aussi une denture et un système masticateur en général, des mâchoires qui sont beaucoup plus graciles, beaucoup plus réduites. Et donc, le raisonnement, c'est ben voilà, à la fois le grand cerveau, la réduction du système masticateur, donc il doit y avoir de la cuisson quelque part. Alors le problème, c'est que dans ces sites où on trouve ces Homo erectus de cette période-là, on n'a pas de foyer
on n'a pas de traces de cuisson. On a de temps en temps des traces de feu, mais on discute beaucoup pour savoir si ce n'est pas des feux naturels, en fait. Hein. Mais en tout cas, on a l'impression que le feu contrôlé, produit systématiquement et j'allais dire, géré par les groupes humains, c'est une affaire qui est beaucoup plus tardive. Alors, on s'est rendu compte récemment, à travers un certain nombre d'études, qu'en fait, on avait peut-être un peu trop rapidement oublié que, à part la cuisson, il y a d'autres formes de préparation des aliments et que ces autres formes de préparation des aliments peuvent faciliter l'ingestion et réduire le coût de la mastication, voire de la digestion. Alors, il y en a qui sont peu ragoûtants, comme par exemple manger de la viande pourrie, mais il y a une expérience très intéressante qui a été faite d'ailleurs, dans la même université que celle de Wrangham, où se trouve le professeur Lieberman, où il a mesuré la quantité d'énergie que l'on dépense lorsque l'on mastique des aliments qui sont cuits, mais aussi des aliments qui ont été dilacérés avec un outil, comme on pourrait le faire avec un outil de pierre. Et le résultat de ces expériences, c'est qu'en fait, sans aucune cuisson, mais simplement en utilisant des outils de pierre, on peut déjà atteindre à peu près la moitié du bénéfice que l'on obtiendrait en cuisant les aliments. Alors, il y a un aspect énergétique de la mastication, il y a ensuite la taille des particules alimentaires qu'on va ingérer. Les résultats sont un petit peu différents pour la viande et pour les tubercules souterrains, enfin, ce qu'on appelle USO, hein, c'est-à-dire les tubercules souterrains de plantes. Mais la conclusion de ce genre d'études, c'est qu'en fait, probablement, le simple développement des outillages de pierre, la capacité des hommes d'aller racler sur un os de la viande et de l'ingérer en petits morceaux, eh bien déjà, on a fait la moitié du chemin en termes de réduction de la consommation d'énergie. Et donc, c'est cohérent avec cette idée qu'effectivement, c'est plutôt au cours du dernier demi-million d'années qu'on a le développement de la cuisson proprement dite. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, occasionnellement, les hommes ne bénéficiaient pas d'un animal qui avait été, j'allais dire, grillé naturellement par un feu, par exemple, de brousse. Il est difficile de ne pas mettre en parallèle cette utilisation systématique du feu au cours du dernier demi-million d'années avec cette augmentation très importante du coefficient d'encéphalisation chez les derniers hominines comme les néandertaliens et les hommes modernes. Alors, on avance dans le temps, on a parlé beaucoup des Homo erectus, je voudrais vous dire quelques mots sur le régime alimentaire des néandertaliens et des hommes modernes, justement. Je vous ai dit qu'on a eu tendance un petit peu à exagérer, si je peux dire, le côté carnivore des chasseurs-cueilleurs paléolithiques à cause de la présence de ces restes de faune très très abondants dans les sites archéologiques et puis aussi à cause des données isotopiques. Alors, les données isotopiques, en voilà quelques-unes pour des néandertaliens. Ces cadres représentent des gisements hein, de l'ouest de la France, enfin du sud-ouest de la France, et puis de Belgique ici. Ce que vous avez représenté sont les valeurs isotopiques pour le carbone 13 et l'azote 15 pour différentes espèces animales qui sont représentées ici. Les espèces qui sont représentées par des gros ronds noirs ou des gros carrés noirs, ce sont des carnivores, ce sont des hyènes et des loups, hein, dans ces gisements-là. Et dans ces gisements-là, les étoiles rouges représentent les hommes de Néandertal que l'on trouve dans ces sites. Et vous voyez que systématiquement, ces hommes de Néandertal, non seulement sont très hauts dans la chaîne trophique, mais ils sont même au-dessus des carnivores. Hein. Et donc ça a été l'argument qui a été l'argument très fort au cours, je dirais,
15-20 dernières années pour penser que les Néandertaliens, en tout cas ceux qui vivent dans des climats des moyennes latitudes, eh bien, c'était des formes hypercarnivores. Lorsque l'on regarde les valeurs isotopiques des, non pas des Néandertaliens, mais des hommes modernes qui les remplacent à partir de 45 000 à peu près en Europe, alors ces hommes modernes, ils sont représentés par des ronds gris et les Néandertaliens par des carrés blancs. Vous voyez que ces premiers hommes modernes qui arrivent en Europe, ils ont des valeurs isotopiques qui sont encore plus élevées que celles des Néandertaliens. Alors là, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait. Les Néandertaliens sont déjà au-dessus des loups et des hyènes. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'ils mangent, mais il faut être drôlement carnivore. Et on a des hommes modernes qui sont encore au-dessus. Alors, je vous rappelle que dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, avec différentes chaînes trophiques, avec des valeurs pour différentes espèces, pour l'azote 15, qui s'enracinait dans des plantes en C3 ou des plantes en C4, il y avait une colonne avec des animaux marins, et même des animaux aquatiques non marins. Et ces animaux aquatiques, eh bien, eux montent très très haut dans les valeurs de l'azote 15. Et l'idée qui s'est développée autour de cette observation que les premiers hommes modernes qui arrivent en Europe ont des valeurs isotopiques encore plus élevées que celles des Néandertaliens, c'est qu'il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire que les Néandertaliens sont peut-être hyper carnivores, mais surtout, les hommes modernes ajoutent à ce régime de prédation sur des mammifères de taille moyenne ou de grande taille, ils ajoutent la consommation d'autres sources d'aliments, et en particulier du poisson. Et je vous ai fait ici un petit collage de photos qui représentent les espèces qui sont trouvées dans un gisement du Paléolithique supérieur de l'ouest de l'Allemagne, du Bade-Wurtemberg, qui s'appelle Hohlefels, où il y a plusieurs niveaux du Paléolithique supérieur, depuis l'Aurignacien jusqu'au Gravettien, au Magdalénien, je crois. Et en fait, il y a toute une variété de poissons qui ont été exploités par ces hommes. D'ailleurs, en fonction de la saison, des espèces qui sont exploitées différemment. Bon, les salmonidés, vous savez que ça migre, hein, et donc on les exploite de façon saisonnière, mais ces hommes utilisent aussi d'autres espèces. Donc ça, c'est, j'allais dire, l'explication que l'on a produite. Au passage, je vous signale que dans ces sites du Paléolithique supérieur de l'ouest de l'Allemagne, on a aussi de nombreuses œuvres d'art, et en particulier des petites figurines animales que l'on trouve dès l'Aurignacien, c'est-à-dire dès les premières occupations d'hommes modernes. Et on trouve dans ces figurines animales des poissons qui sont figurés. Hein. Enfin, on interprète ça comme un poisson, un saumon, quelque chose comme ça. Et je vous ai mis aussi une figurine qui montre un oiseau pour vous dire que, ce qui semble se passer avec l'arrivée des hommes modernes au moment du remplacement des Néandertaliens, c'est que ces hommes modernes exploitent un spectre alimentaire qui est beaucoup plus étendu. Ce ne sont pas des choses complètement nouvelles. Les Néandertaliens, occasionnellement, s'ils pouvaient attraper un oiseau ou un poisson, ils ne le jetaient pas, ils le mangeaient. Mais là, il y a une exploitation systématique du petit gibier, peut-être avec des pièges, peut-être avec des filets. On a aussi beaucoup parlé de la division sexuelle du travail à cette époque-là, c'est-à-dire l'idée que, dans le fond, les femmes sont plus orientées vers la récolte de choses, et quand je dis la récolte, ça concerne aussi les petits animaux, alors qu'on a des chasseurs qui vont chasser les grosses bêtes. Évidemment, certains trouvent que c'est très sexiste de penser comme ça. Mais en tout cas, le fait est qu'on trouve les restes de tous ces animaux dans ces sites du Paléolithique supérieur. Alors, je voudrais quand même, pour finir,
jeter un regard un peu critique sur ce scénario que je viens de vous raconter, en particulier sur cette idée que les Néandertaliens et même les premiers hommes modernes en Europe sont des hyper-carnivores. Alors, j'ai déjà dit que, en fait, les données qui étaient produites par les isotopes du carbone et de l'azote, en particulier de l'azote, c'était des données qui étaient surtout produites par des gisements des moyennes latitudes. Pourquoi ? Parce que dans le sud, souvent, il n'y a pas de collagène. On attend les résultats du zinc. Peut-être on va voir que le zinc va nous donner un signal assez différent quand on va pouvoir aller mesurer les isotopes du zinc dans des gisements méditerranéens, par exemple. Et on a déjà une indication avec les micro-usures dentaires. Parce que vous savez, les micro-usures dentaires, leur étude ne dépend pas du climat ou de la zone d'origine. Et il y a quelques années de ça, une jeune chercheuse libanaise a publié une série d'analyses sur des Néandertaliens qui, vous le voyez, sont répartis sur, un peu partout, enfin, sur l'Europe et même une partie du Proche-Orient. Et ce qu'elle a montré dans cette étude, en fait, c'est que ces topographies que l'on observe sous le microscope et que l'on peut analyser avec ces logiciels d'analyse tridimensionnelle, eh bien, ces topographies sont extrêmement variées et qu'en fait, elles semblent dépendre beaucoup de l'environnement dans lequel ces hommes ont vécu. Et que, effectivement, si les Néandertaliens qui vivaient dans des climats plutôt froids et dans des latitudes plutôt élevées semblent très carnivores, eh bien, ça n'est pas vrai forcément des Néandertaliens qui vivent dans les zones méditerranéennes et qui semblent plus consommateurs de végétaux. Une autre étude du même genre a aussi montré que, dans le fond, on observait le même genre de variation au sein de ces premiers hommes modernes qui arrivent en Europe. C'est-à-dire qu'en gros, le régime alimentaire des hommes modernes ressemble plus à celui des Néandertaliens de la région dans laquelle ils arrivent qu'à celui des autres hommes modernes en général. Donc tout ça semble dépendre quand même beaucoup de l'environnement. Et puis alors, surtout, il y a eu des études qui ont été menées par plusieurs chercheurs, mais je pense en particulier à Amanda Henry, qui est à l'université de Leyde maintenant, et qui sont des études qui ont essayé de mettre en évidence des particules alimentaires piégées dans le tartre dentaire. Vous savez, cette histoire de tartre dentaire, c'est terrible, parce qu'autrefois, quand on trouvait des fossiles, j'ai encore connu ça, quand on trouvait des fossiles, on voulait les nettoyer le plus possible pour les mettre dans des musées et qu'ils aient des dents magnifiques. Et donc, les gens qui préparaient les fossiles, quand il y avait du tartre dentaire, souvent d'ailleurs, ils pensaient que enfin, ils savaient pas que c'était du tartre, ils pensaient que c'était du calcaire qui était déposé sur les dents, très soigneusement enlever tout ça. Et maintenant, on se rend compte que c'était une bêtise épouvantable, parce qu'en fait, ce tartre dentaire, il contient de l'ADN, il contient des particules de toutes sortes, il nous donne des indications sur le microbiome de ces formes anciennes, et il contient donc des restes alimentaires, et notamment des restes alimentaires de végétaux. Et ce qu'on a découvert, ce qu'Amanda Henry et d'autres à sa suite ont découvert, c'est que dans ce tartre dentaire, on trouvait des grains d'amidon, et on trouvait ces fameux phytolithes. Vous savez, je vous expliquais que dans les plantes, il y a des petites particules siliceuses qui sont dans les tiges, dans les feuilles. Et toutes ces choses-là, on peut les retrouver dans le tartre dentaire. Alors, on ne peut pas faire de mesures vraiment quantitatives, parce que quand on trouve des particules de ce type-là dans du tartre de néandertalien, ça veut dire qu'à un moment donné, ce néandertalien a eu ça dans la bouche. Maintenant, est-ce qu'il en mangeait tous les matins ? Est-ce qu'il en mangeait juste à une certaine saison ? C'est assez difficile à définir. Mais on a déjà identifié toute une série de plantes qui ont été consommés par les Néandertaliens. Alors, bon, des dates, il n'y en a pas dans le nord de la France, hein, surtout au Pléistocène. Mais je vous rappelle que des Néandertaliens, il y en a qui ont vécu
au Proche-Orient. Et donc, on a une liste de plantes. En particulier, on s'est rendu compte qu'en Europe, les Néandertaliens ont consommé des graminées. On pense qu'ils les ont probablement consommées vertes, hein, parce que c'était plus facile à consommer. Ils ont aussi consommé des tubercules de plantes, et en particulier des plantes aquatiques, comme les nymphéas, qui font un gros tubercule. Et ils ont aussi consommé des choses comme des noisettes, des choses comme ça. Et donc, il y a tout un spectre de végétaux, maintenant, que l'on reconnaît dans cette alimentation des Néandertaliens, et qui, donc, change un peu cette image du Néandertalien hyper-carnivore, courant derrière les rennes, les chevaux, voire des plus grosses bêtes. Et puis, on commence à envisager d'autres espèces, et on est activement en train de chercher des traces de ces espèces dans le tartre dentaire d'autres néandertaliens. Et il y a tout un travail qui se fait actuellement de recensement de plantes qui, même dans des climats tempérés et même dans des climats tempérés froids, peuvent être utilisées par ces, ont pu être utilisées par ces chasseurs du paléolithique moyen. Et en particulier, on met beaucoup l'accent sur des plantes aquatiques, hein, qui poussent, alors qui ne sont pas très spectaculaires. Quand vous voyez des joncs comme cela, ça ne vous donne pas très envie d'aller les manger. Mais en fait, vous avez tort. Vous avez tort parce que même en plein hiver, quand il y a du gel, et même quand cette étendue d'eau a disparu, on peut encore repérer ces plantes dans le paysage. Et si on creuse, eh bien on va trouver ces fameux bulbes, ces fameux tubercules, où on trouve des hydrates de carbone qui sont parfaitement digestibles et parfaitement comestibles. Alors, ce que l'on pense, c'est que cette part de l'alimentation, c'était une part de l'alimentation qui n'était pas forcément extrêmement significative en termes d'apport calorique, mais qui était extrêmement importante. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous êtes un chasseur et que vous consommez de la viande, que vous consommez des protéines, eh bien en fait, votre capacité à digérer ces protéines, elle est limitée par les capacités de votre foie. Et votre foie ne vous autorise pas à digérer plus qu'une certaine quantité de protéines animales par jour. Et pour digérer ces protéines, eh bien vous avez besoin soit de graisse, soit d'hydrates de carbone. C'est pour ça que vous avez envie de manger du pain quand vous mangez un steak. Hein, c'est le steak frites, c'est un peu ça. Et donc on a ce besoin d'hydrates de carbone, de graisse, pour consommer les protéines. Et on connaît des histoires terribles de gens qui sont morts de faim alors qu'ils avaient à leur disposition des animaux. Hein, il y a une célèbre histoire de la conquête de l'Ouest, de toute une expédition qui s'est perdue dans les montagnes rocheuses pendant l'hiver. Ils ont mangé les chiens, ils ont mangé les chevaux, ils sont même mangés entre eux, mais la plupart sont morts à cause du fait que la viande qu'ils mangeaient, c'était de la viande maigre, de la viande où il n'y avait absolument pas de graisse. Et donc, si je reviens à mes Néandertaliens, vous vous souvenez que dans le gisement de Jonzac, on trouve énormément d'os qui sont des os fragmentés. Ces gens ont l'air d'être, j'allais dire, désespérés à extraire de la moelle des os. Et ils l'extraient pas seulement parce qu'ils aiment manger de la moelle, mais parce que c'est indispensable à la digestion de la viande, du gibier qu'ils consomment. Et quand il n'y a pas d'animaux gras, comme c'est le cas à la fin de l'hiver, eh bien à ce moment-là, ces hydrates de carbone qu'on peut extraire de ces végétaux que l'on trouve en particulier dans les mares gelées, les mares asséchées, etc., peuvent avoir été non seulement une solution, mais même une solution indispensable pour la survie de ces groupes. Alors, il nous reste pour finir. Je vais finir dans les temps aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il nous reste quand même un petit mystère à résoudre. Pourquoi
nos néandertaliens se retrouvent avec des valeurs isotopiques pour notre azote 15 au-dessus des loups, au-dessus des hyènes, au-dessus des lions. Qu'est-ce qu'ils mangent donc ? Alors, on pense que, d'abord, effectivement, ce signal de consommation de viande, il est un peu exagéré pour toutes les raisons que je vous ai données, mais on pense qu'il y a peut-être, dans ce signal de la, comment dire, d'une valeur très très élevée en carbone 15, peut-être le signe d'autre chose que la consommation de viande. Et on a pensé à différentes choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de la viande pourrie. Certains ont proposé le fait de consommer systématiquement de la viande pourrie peut élever la valeur en carbone 15. Et puis il y a aussi autre chose qui maintenant est de plus en plus pris en considération, c'est le fait d'être exposé à des épisodes de famine. Et vous vous souvenez que nos hommes, nos bébés, eh bien, ils ont beaucoup de gras. Et ce gras, il leur sert à survivre pendant les périodes qui sont des périodes de disette et à pouvoir nourrir leur cerveau. Mais il y a un moment donné où on a épuisé son gras. Et à ce moment-là, si on est exposé vraiment à une disette très intense, on va commencer à digérer d'autres parties de son organisme. Et en particulier, on va commencer à manger ses propres protéines. Et il y a des études, je vous en ai donné un exemple ici, qui montrent que les gens aujourd'hui qui souffrent d'anorexie, eh bien, ont des valeurs en azote 15 qui sont très au-dessus des valeurs normales. Et c'est probablement une conséquence de cette anorexie. Alors, ils ne sont pas exposés à une disette, c'est eux-mêmes qui s'imposent cette disette-là, mais on voit qu'il y a une variation en sens inverse de l'indice de masse corporelle et de la valeur en azote 15 pour des individus qui sont exposés à ces phénomènes d'anorexie. C'est un patient, enfin une patiente, c'est un exemple parmi d'autres, qui est hospitalisé à cause de son anorexie. Et vous voyez qu'au bout d'un certain nombre de semaines, son indice de masse corporelle va se mettre à augmenter. Et vous voyez que la valeur de son ratio isotopique pour l'azote 15 va se mettre à diminuer. Et une des idées, c'est que nos néandertaliens peut-être étaient exposés à des périodes de disette assez intenses, en tout cas saisonnières. Voilà, c'est peut-être ça la clé du mystère de ces néandertaliens apparemment hyper carnivores, mais qui quand même mangeaient autre chose, et en particulier des végétaux. Je vous remercie pour votre attention.